heureux. Bonsoir à tous. Bienvenue aux réunions des enfants de Jésus de la prison de Saint-Damien. Nous sommes réunis ici pour pouvoir partager notre foi. Moi c'est Bernard. Mais mes amis m'appellent Bébert. L'autre jour, j'étais au Jap pour me faire des sushis avec les quatre mômes et Pupus, ma femme. Et pour remercier Dieu de nous remplir, j'ai chanté pour le petit Jésus une chanson que tout le monde la chante normalement. Il est né le divin enfant, jour de gloire aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant. Mais qu'est-ce que ça peut nous foutre qu'il soit né? Bon, s'il vous plaît, ça suffit. Oui, nous connaissons tous ce chant merveilleux. Mais si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est pour pouvoir témoigner de notre foi. Tu as quelque chose peut-être à partager, Arthur? Bon, enfin bref, j'étais en train de chanter quand d'un coup, Monsieur Niakoué, il est venu me dire de faire un peu moins de bruit. Les voix de Dieu, du bruit. Alors là, je lui ai répondu avec tout le respect que je leur dois. Écoute, ping-pong, je sais chez vous que vous ignorez la vraie culture, mais on n'arrête pas les voix de Dieu. Et là, l'autre gnoque me répond « Excusez-moi, monsieur, mais je suis désolé. » C'était manquer de respect devant Pupus et les gosses. Écoute, le gnaqué, le bridé, c'est ça que je voulais dire, le bridé, je lui ai dit d'ailleurs, le bridé, sois déjà content d'être toléré dans mon pays. Et là, du coup, qu'est-ce que je fais? Je me suis remis à chanter, mais tout d'un coup, les louanges de notre Seigneur. Et après, un putain de pamboula commence à me parler. Excusez-moi, monsieur, mais votre attitude est insolente. Mauvais exemple pour vos enfants. Et là, qu'est-ce que je vois? Je le vois qui mangeait ce bonobo avec un autre mec. Attends, je suis pas sûre de comprendre. T'es en train de dire qu'il y avait peut-être un gars qui était en train de tenir la main d'un autre, de le regarder dans les yeux alors qu'il y avait un gosse à côté? Ah mais oui, c'est absolument ça. C'est dégueulasse. Oh mon Dieu. Je suis sûre qu'il s'embrassait sur la bouche en public. Oh grâce. Dans quel monde vit-on? Ah, moi ces gens-là me dégoûtent, hein. Mais vous êtes qui? J'ai deux personnes qui s'aiment probablement plus que toi et ton gros porc de mari. Mais André, dis quelque chose. Si quelque chose peut apporter un peu plus d'amour dans ce monde de merde, eh ben moi je dis qu'ils n'ont qu'à s'enculer, ça fait mal à personne. Oh, oh, tu ne me soutiens jamais, André. Jamais. Repousse ton cul sur cette chaise, femme. Tu devrais avoir honte de me parler comme ça en public. Puisqu'on est ici maintenant, hein? Tu as fermé ta sale gueule pour qu'il puisse finir son histoire, non? Merci, André. Alors, j'ai répondu à l'autre négro. Qu'est-ce que t'as, toi, le sucheur de bite? Et à ce moment-là, le chef du restaurant vient me voir. Moi, je pensais qu'il allait s'excuser devant moi. Et devant les autres, devant mes gosses et devant Pupus. Mais non, ce bonobo, ce bouffeur de nem, est venu me dire... Excusez-moi, monsieur, de vous déranger, mais vous devez quitter le restaurant, s'il vous plaît, monsieur. Et là, je pouvais pas rester poli devant ces gens. Alors j'ai explosé. Je me suis mis à le frapper de toutes mes forces jusqu'à ce que mes poings et ma chemise deviennent rouges. Il voulait m'humilier devant ma famille. Dehors, il y avait de l'orage. Je me souviens être sorti.
au gré de mes pas, les nuages se sont écartés et le soleil est apparu. Et là, j'ai vraiment senti la présence de Dieu. Il était venu pour me pardonner. Dieu ne t'a jamais abandonné, Bébert. Oh, c'est magnifique ce que tu nous dis là. C'est vraiment, c'est un signe d'amour que t'a envoyé notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, est-ce que quelqu'un a quelque chose à partager en relation avec ce témoignage? Dieu, il aide. Mais il aide qui? Et comment? Et pourquoi? Hein? À vous aimer les beaux miracles. Adolf Hitler, l'homme le plus détesté de tous les temps, il a survécu à 50 assassinats, par hasard. Mon ami, qui a vécu toute sa vie dans la foi, trop jeune, aimé de tous et tué sans raison, par une maladie incurable, par ce même hasard que vous appelez notre Seigneur? Non mais oublions les cas isolés de toute façon. Parce qu'il nous reste les guerres. Que dites-vous des guerres, hein? Non. Oublions les milliers de massacres hasardeux et dénués de sens pour une minute. Il nous reste le sexisme et le racisme et toutes les phobies permanentes dans lesquelles on a tous été noyés. Pourtant les systèmes religieux, ils essayent de nous faire croire que les religions sont là pour nous faire partager l'amour. Quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, vous, vous avez plus de sang sur vos mains d'inconscient. Mais tu vas fermer ta grande gueule, petit con. Il est temps de faire une pause. J'ai apporté des gâteaux. Toi, là, écoute-moi bien. T'as cru qu'on allait les laisser, là, toi, la petite pute, nous insulter, nous et notre sauveur? T'as cru que t'es un mec de ouf? Non, mais vous allez me laisser finir ce qu'il a commencé à dire, oui? Lui, au moins, il a les couilles de dire ce qu'il pense. Et ça, moi, je respecte. Continue, Arthur. Je vous parle pas seulement de Jésus. Non, je vous parle de toutes les religions organisées. Des groupes créés exclusivement pour contrôler et diriger. C'est un dealer rendant les gens accro à la drogue de l'espoir. Les adeptes, c'est des addicts. Ils veulent leur dose de foutaise pour maintenir leur dopamine d'ignorance. Les addicts n'ont rien à foutre. Ils ont peur de la vérité. Ils ont peur de voir qu'il n'y a pas de règles, qu'il n'y a pas de loi. Que les religions, c'est des parasites cancéreux. Divisés, nous contrôler. Mais c'est ça le vrai visage des charlatans qui veulent nous gouverner. Si j'écoute pas mon ami imaginaire, mais bordel, pourquoi je devrais écouter le vôtre? Vous, vous avez perdu vos vies pour un petit mensonge que vous alliez vous retrouver en haut avec des petits anges. Vous les premiers violents. Thank you.